Et bah tiens. Okay. La lionne tête de lion. Ma mère, c'est ma mère. Oui, allô, maman. Hey, Roméo. Oui, maman. Je suis à la maison. Oui. Ok, maman. Jésus, mon Dieu, regarde comment ils m'ont détruit la douche. Et Seigneur, Seigneur, j'espère qu'ils ne t'ont rien fait, mon fils. Non, non, ils étaient en train de dormir. Là. Oh, Dieu, merci. Merci, Seigneur. Alléluia, allez. Bon, je vais d'abord déposer le sac là, à la chambre. Ok. Là, on m'a préparé tout à l'heure, mais tiens, continue. Donc, on va appeler le mécanicien pour qu'il puisse arranger avec le téléphone. Mécanicien. Mécanicien, mécanicien, les codes que tu vas faire là, vraiment là-bas, c'est ce qu'on t'apprend. On t'a dit que le mécanicien, il arrange les voitures. Ce n'est pas arranger les portes. Il faut l'appeler le menuisier, il m'a arrangé les fenêtres là. Imbécile. C'est gay. Oh, mais tu veux ta clé? Hey! Jesus! Oh! Où est-ce? Quelle clé? Hein? Tu es sorti, non? Je ne suis pas sorti. Je t'ai laissé à la maison. Je dormais depuis le matin. Ma tu dormais. La queue était là-bas. Peut-être que ce sont les rats qui ont pris la queue là. La queue était... Romeo, tu penses que tu es né avant moi? Je n'ai pas dit ça. Ça veut dire que tu es sorti et tu as oublié la queue sur ta copine? Et tu as cassé ma maison? C'est ça, non? Je ne connais même pas la fille là. Ma chérie, est-ce qu'on se connaît? On se vous ne vous connaissez pas. On se connaît pas. C'est comme ça. C'est le vent qui l'a amené ici là. N'est-ce pas, non? Ah, ok. Attends-moi, tu vas voir. C'est comme tu veux blaguer avec moi. Tu vas me sentir aujourd'hui là. Attends. Attends, tu me connais pas. Tu as oublié.